Qu'est-ce qu'il y a, Ryder? Pourquoi cette réunion en urgence? Ça ne vient pas de moi. C'est moi. J'ai reçu une nouvelle inquiétante quand on était sur Kadara. Il y a des tensions à la colonie Krogan sur Eladen. Ça se présente mal. Des tensions chez les Krogan? Sans blague. Je vous fais pas perdre votre temps avec ça si c'était pas important. Il faut qu'on y aille. Je suis d'accord. Nakhmor Morda s'est autoproclamé chef suprême de la colonie. C'est bizarre. Non. Notre priorité, c'est l'Arconte. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire. Jal a raison. Je sais que c'est frustrant d'avancer à l'aveuglette. Mais il faut qu'on apprenne à s'écouter. Puisqu'on en est aux propositions, j'ai entendu des hors-la-loi sur Kadara parler d'activités dans le système Remav. Sans blague. C'est le système où devait se trouver le monde en or turien. Remav. Il n'y a aucune planète viable là-bas. Seulement un champ d'astéroïdes et des exploitations minières dirigées par des criminels. Il paraît qu'Eladen est pas mal dans le genre. Pleine de charognards qui n'ont rien à perdre. Parfait. Botter le cul à des pirates, ça, je sais faire. Mais maintenant qu'on a le transpondeur, on ne devrait plus tarder à localiser le vaisseau de l'Arconte. Notre objectif, c'est de nous installer ici. On ne sait pas ce que le destin nous réserve. Bref, transmettez les coordonnées d'Eladen et de ce monde en or turien potentiel à Kalo. Mieux vaut que toutes nos options soient opérationnelles. Hé ! J'ai pas dit que la réunion était terminée et que vous pouviez disposer. La réunion est terminée. Vous pouvez disposer. Génial! Plus de boîtes! Encore vous. Vous voulez que je vous reparle de la cabane où j'ai grandi? Vous disiez être venu dans Andromède avec quelqu'un. On peut rien vous cacher, à vous. C'est sûrement pour ça que vous êtes la pionnière. C'est juste une amie. Enfin, plus vraiment. Vaut mieux être sans attache pour s'aventurer dans l'inconnu. Vous croyez pas? Je ne sais pas. Les amis, la famille, c'est grâce à eux que tous nos efforts en valent la peine, non? Je me suis toujours motivée toute seule. La curiosité, c'est tout ce qu'il me faut pour avancer. À votre avis, Meridian, c'est bien ce qu'on pense? Tout ce qu'on a vu, les systèmes reliquats qu'on a découverts, tout est connecté. Les robots, les monolithes, les caveaux. En toute logique, l'activation de Meridian devrait réveiller ce réseau et relancer la terraformation à travers le secteur. Donc, vous approuvez ce qu'on fait? Évidemment. Vous ne voulez vraiment pas me dire sur quoi vous travaillez? Non. Question suivante? Vous vous entendez bien avec l'équipe? J'essaie de pas prendre les choses trop au sérieux. Même Lexi est pas exactement comme je le pensais. Et Jal, j'apprends petit à petit son fonctionnement. On a de la chance d'avoir un Angara avec nous. Et les Asari peuvent se reproduire avec toutes les espèces de la Voie lactée. Je me demande si ça dépasse les frontières galactiques. Je compte pas me reproduire avant un moment, mais ça a l'air d'être un mec bien. Vous en pensez quoi? Vous voulez me rendre jalouse, c'est ça? Peut-être. Je vous laisse tranquille, Pibi. Bonne chance pour votre projet. Merci. Revenez me voir quand vous voulez. Je vais le faire. J'ai fait tous les tests possibles, c'est comestible. Si on doit s'installer ici, il faut bien que quelqu'un se jette à l'eau. Des scans du fléau. Toute cette énergie noire qui se tord et tourbillonne. C'est magnifique. Un genre de beauté sombre se dégage de ce phénomène, c'est vrai. Une beauté sombre, ça me plaît. Vous ne trouvez pas Eleus incroyable? Et je ne parle pas que des éléments artificiels comme le fléau et les reliquats. Tout est si étrange. Comme pour nous rappeler qu'une intelligence divine est à l'origine de toutes ces créations. Quand on se retrouve face à quelque chose d'aussi merveilleux, ça donne envie d'y croire. Oh,
Ça fait tellement plaisir de rencontrer quelqu'un qui comprend. J'ai eu à me justifier tellement de fois. C'est comme si ma foi en le divin privait mes travaux scientifiques de leur crédibilité, ou que le sacré était incompatible avec la quête de la vérité. Vous avez un point de vue très intéressant sur la relation entre foi et science. Ça me plairait que vous m'en disiez plus un de ces jours. Peut-être autour d'un verre sur le Nexus ? Pourquoi pas ? Bon, je devrais aller transmettre mes rapports au reste de l'équipe. On reparlera plus tard ? En orbite autour de Kadara. Les capteurs montrent une anomalie. Anomalie détectée. Sonde larguée. Anomalie trouvée. Il paraît qu'il y a des pirates partout par ici. Il n'y a pas tellement de gens à dévaliser pourtant. Anomalie détectée. On maintient la trajectoire. Sam, envoie à Kalo les coordonnées que notre contact Krogan nous a fournies. Drac, on se pousse sur Eladen pour rejoindre Jorgalstrux. J'arrive. Est-ce que le rendez-vous doit avoir lieu exactement ? Ça s'appelle le paradis. D'après ce que je vois, c'est au milieu de nulle part. Le paradis, c'est différent pour un Krogan. Reliquat ? Non.
supposé qu'à 41%. Je vais rassembler toutes les informations que je peux, pionnière. À part les Krogan. Des charognards qui n'ont rien à perdre. Des criminels qui se sont fait jeter de Kadara. Ça promet d'être intéressant. Je vais à la colonie, histoire de calmer le jeu. Anea dirige cet endroit. Je ne la connais pas, mais j'ai entendu quelques rumeurs. Mon peuple considère qu'Eladen est inhabitable. Et pourtant, Anea arrive à y vivre. Vous vous croyez balèze ? Attendez qu'on se croise dans les dunes. Par ici, suivez-moi. C'est un beau vaisseau que vous avez là. On a plein de bonnes affaires dans notre boutique. Vous avez qu'à parler à la patronne. Venez, par ici. C'est un endroit spécial ici. Le paradis. Il y a sûrement déjà une bonne dizaine de gens qui comptent vous tuer pour les faucher. Vous menacez ? C'est l'impression que vous donnez. Moi ? Non, je voulais juste vous prévenir. Je sais reconnaître les cibles coriaces. Et si je reste dans vos petits papiers, vous me laisserez peut-être ramasser vos miettes quand vous partirez. Alors, je peux faire autre chose pour vous ? Vous connaissez un Krogan qui s'appelle Strux ? Non, mais un Krogan, c'est facile à repérer. Regardez autour de vous. Je vous laisse. Comme vous voulez. Vous êtes Anea. En effet, vous avez entendu parler de moi. Les rumeurs disent que vous réussissez bien sur Eladen, alors que la planète est réputée inhabitable. C'est vrai. J'ai créé une sorte de petit paradis ici. Ni combat, ni violence. Au-delà des portes, c'est chacun pour soi. Mais ici, personne ne risque rien. Le premier qui se permet de semer la pagaille aura affaire à moi. Ouais, tout le monde se tient à carreau. C'est naturel ou ils prennent des trucs ? Ah, c'est bien plus simple que ça. Ces gens ont besoin de moi, de ce que je vends. Donc soit ils se tiennent bien, soit ils dégagent. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous avez besoin de quelque chose ? Y a qu'à demander. Je dois retrouver un Krogan qui s'appelle Strux. Regardez autour de vous. Si mes clients ont des noms, je les connais pas. C'est mieux comme ça. Vous êtes drôlement sympa pour un endroit de ce genre. Mais j'ai pas à me plaindre. Je suis riche et personne ne vient m'emmerder. Je suis la femme la plus puissante d'Eladen. C'est vrai ? Sans vouloir me vanter. Oui, c'est absolument vrai. Qu'est-ce que je peux acheter ? J'en sais rien. Qu'est-ce que vous avez à troquer ? Je vends surtout de l'eau. Mais vous devriez aller au réservoir si c'est ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a un autre endroit sur cette planète où on peut, je sais pas, trouver de l'eau ? Pas vraiment. Et si votre tête me revient pas ou que vous me prenez à rebrousse-poil, pas d'eau pour vous.
Allez voir ailleurs. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici. L'accès à cette zone est interdit. Ne vous approchez pas. Reculez. Dès qu'on sera sorti d'ici, allez. Je te dis. Ah oui, j'en ai entendu parler. Anéa von Bülow. Ça doit être l'endroit où elle la garde. Qu'est-ce que vous regardez ? Honnêtement, je suis juste curieuse de voir ce qui se passe. Ce qui se passe, ça vous regarde absolument pas. Passez votre chemin, ou je vous fais sauter les rotules. Je croyais que les armes étaient interdites ici. C'est la règle dans cette enceinte, ouais. Mais si vous me voyez dehors, vous avez intérêt à filer. Pionnière, est-ce bien nécessaire de converser avec cet individu ? Je ne vois pas en quoi cela sert notre cause. C'est vrai. On va en rester là. Ce n'est pas trop tôt. Ryder, j'ai entendu ce petit échange. Je ne comprends pas. Les candidats de l'initiative ont été triés sur le volet. Pourquoi est-ce qu'il y en a autant qui deviennent violents et instables ? Vous pensez qu'ils se trament quelque chose ? J'aimerais en avoir le cœur net. Vous pourriez scanner les charognards du paradis et me transmettre les données ? Et, soyez discrète, hein ? Vous êtes Jorgal Strux ? Peut-être bien. Et vous ? Vous êtes qui, je pense ? Sarah Ryder, pionnière de l'initiative. Vous m'avez donné rendez-vous ici. Exact. Merci d'être venue. Notre meilleure chance de survie, c'est de coopérer. Avec les Krogan également. Bien. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens dans notre camp. Parlez-nous des problèmes de la colonie. Ça prend une très mauvaise tournure. On ne peut pas rester plus longtemps. Horda agit en tyran. Elle vous a expulsé ? On n'en est pas encore arrivé là, alors on fait profil bas. Je veux garder un œil sur elle. Elle prépare une attaque sur le Nexus, c'est tout ce qu'on sait. Les enregistrements que vous avez envoyés laissent à penser qu'un sale truc se prépare. La colonie va se déchirer à cause de Morda. Et on va tous mourir. Vous sous-estimez grandement vos capacités. Tout le monde a besoin d'eau et de nourriture. Même les Krogan. Et Morda nous rationne. Mon groupe pense que les Krogan devraient faire la paix avec le Nexus. On a besoin des Krogan et les Krogan ont besoin de nous. On est venus d'Andromède tous ensemble. On devrait au moins essayer d'arranger les choses. Il n'y aura plus de colonie avec laquelle faire la paix si Morda la saccage. Si vous ne croyez pas, allez à la colonie Krogan voir par vous-même ce qu'elle prépare. Parlez à Ravanor Brink. C'est un des nôtres, un infiltré. Si le Nexus est vraiment en danger, je vais aller voir. J'espère qu'elle ne me tirera pas dessus à vue. Ouais, ce serait pas bon du tout. Faites attention à celui-là, Ryder. C'est fascinant.
n'a pas marché. Vous pourriez essayer sur quelqu'un d'autre ? Parfait. Au circuit. J'ai bien failli crever. Merci, Ryder. Ça devrait suffire. Je vous préviendrai quand j'aurai analysé tout ça. La chaleur s'intensifie. Les températures environnementales ne dépassent pas les limites acceptables. Je détecte des températures supérieures à la normale. La température ambiante est normale. Je détecte des températures supérieures à la normale. Les températures environnementales ne dépassent pas les limites acceptables. Protocole automatisé activé. Déploiement de la station avancée. Les zones minières ont été ajoutées à votre système de navigation pionnière. Donc, voici Eladen.
Jusqu'ici, c'est charmant. Qu'est-ce qu'on y trouve, à part du sable? Le monolithe reliquat suggère que cette planète était bien un monde en or autrefois. Il suggère également la présence d'un caveau. De plus, voici la grande épave reliquate que nous avons vue en atterrissant. J'espère qu'elle est abandonnée. Après les scans, non. Je détecte l'activité de charognards et de robots reliquats dans la zone. Ici, les charognards se sont emparés d'un camp abandonné entre les deux. Dans cette direction se trouve Neo Tuchanka, la colonie Krogan établie dans l'un des gouffres de la planète. Des gouffres. Sympa. Pas vraiment. La rotation d'Eladen est synchrone avec celle de sa sœur et de cette géante gazeuse. Cette phase du satellite ne se refroidit jamais. Vous retrouvez piégé, sans abri, dans un gouffre équivaudrait à une mort certaine. Car votre sang se mettrait à bouillir au bout de 75 secondes. Et sur cette note réconfortante, dirigeons-nous vers le paradis climatisé du nomade. Vous êtes en excellente forme physique, Cora. Vous vous démarquez du groupe. Merci. Je ne pensais pas que vous faisiez attention à ça. L'esprit a ses raisons que la raison ignore. Évitez les gouffres. Les charognards ont monté leur camp ici. Comment est-ce qu'ils survivent à cette chaleur ? La chaleur s'intensifie. Je détecte une température normale, pionnière. Attention, il y a peut-être des reliquats dans le coin. Pionnière, ce site reliquat a peut-être des systèmes de défense. Ryder, on fait une pause? J'aimerais bien me dégourdir les jambes. Je suis d'accord, pause, on sort, on court un peu et on repart. Non? Bon, d'accord. Je détecte des températures supérieures à la normale. Je détecte une température normale, pionnière.
système de survie à 100%. On est coincé là-dedans pour de bon, n'est-ce pas? Oh, bien. Vous m'avez entendu. Je pensais que j'allais devoir retourner à pied jusqu'à ce taudis qu'ils appellent une zone d'atterrissage. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis une scientifique du Nexus. J'analyse la topographie des Ladens depuis plusieurs semaines. Et me voilà coincée dans ce trou à rats. Dites-moi ce que je peux faire pour vous aider. Merci de proposer. Il y a quelques jours, ma navette a lâché à cause d'une surchauffe. Puis je me suis retrouvée à court d'eau. Au bout de 2 jours sans boire, j'étais désespérée. J'ai fini par en échanger à des charognards contre une pièce de mon vaisseau. Quand je suis sortie de mon délire, j'ai compris mon erreur. Je leur ai vendu mon propulseur, le truc assez indispensable pour voler. Vous ne pouvez pas reprendre votre propulseur ? J'ai bien essayé. Je suis allée à leur camp, mais ils m'ont ri au nez en disant qu'un marché était un marché. Mais vous êtes une pionnière. Vous pouvez peut-être les raisonner et récupérer le propulseur. Je vais vous récupérer votre propulseur en un clin d'œil. Serviable et efficace. Ça me plaît. Voilà les coordonnées de leur camp. Je vous préviens, ces gens sont exécrables. Vous avez découvert des choses intéressantes sur Eladen ? Ça dépend de ce que vous trouvez intéressant. Dites toujours. J'imagine que vous savez qu'Eladen est constamment ensoleillé, et il n'y a pas de nuit. Mais j'ai découvert les traces d'une chute de température inhabituelle, ce qui veut dire qu'il y a parfois des éclipses. Vous imaginez, des années de soleil brûlant et d'un seul coup une semaine de nuit. Ça doit faire drôle. Vous avez découvert des choses intéressantes sur Eladen ? J'imagine que vous savez qu'Eladen est constamment ensoleillé. Vous imaginez, des années de soleil brûlant et d'un seul coup une semaine de nuit. Ça doit faire drôle. Vous étudiez les gouffres ? J'essaie de comprendre comment ils se forment. Et alors ? Mes analyses ont trouvé d'importantes concentrations de carbonate de calcium en sous-sol, assez pour créer des poches de roches friables. Cette roche se brise. Et la poche s'effondre en provoquant une réaction en chaîne jusqu'à la surface. Il se trouve que ça expliquerait aussi la présence de tout ce sable. Bonne chance.